une chose très importante à obtenir ou le réglage de la règle des prix des produits les Kenjiboum AliExpress. Alors toujours ou importer, on dit le setting, on dit le price rule. Alors qu'il y a des règles qu'on a mis là par défaut, mais comme tu le rends là, ça veut juste dire que les produits les entre 1 dollar et 9,99 quand drapeau le prix des longs de ans et on affiche de home discount d'elle l'équipe de manière aléatoire entre 50% et 70%. Donc voilà, une autre règle, peut-être. نزيدو واحد لا ريغل اخرى غادي نشوفو حنا لي برودوي اللي عندهم لي بري غادي من زيرو حتى 9,99. دونك غادي نشدو لو بري ديالهم اون فالو ابليكي اون ملتيبليكاسيون مثلا بار 5 او في ديسكاونت زعما لوريجين ديال لو بري بشحال كان زعما في لو سيت انتر 55 اي 75. ابخي سا فو دو فوار en fonction de la stratégie marketing et dire comme je me dit très soit de la multiplication de le prix soit de discount. On clique sur add et voilà le prix d'elle qui j'ai enfin la règle. Ah, j'ai fait une petite erreur. Alors au lieu de any model radendero AliExpress, voilà, on peut changer rapidement. On va voir un test, je vois si ça marche. On part sur AliExpress pour importer un produit. On va choisir je sais pas, un produit Metalen, je sais pas, Metalen head de produit. Alors là, il faut trouver le ID Dialo. Alors il est là. On fait copier. Et on le colle la ligne product ID. L'épisode précédent, on choisit la catégorie finale. Après ça dépend des catégories le site Telcom, mais vous aurez toutes les catégories les kenin search et voilà. Alors non, donc le prix d'Yenna qu'un 2,59 $. On va vérifier ça. Alors, 2,59 $ parce que Dakhel fait shipping aussi. Ah non, excusez-moi, pas du tout. On n'est pas sur le bon produit. Alors, c'est là. C'est 2,59 $. Et donc voilà. Ensuite, shipping, il est de 0,16 $. Il faut le prendre en compte. Mais généralement, là, ce que je conseille, c'est de prendre, maintenant si vous livrez les États-Unis, c'est de prendre toujours l'option e-packet. Et là, la recherche, elle aura dit comme e-packet free, pas qui m'a la formation. Voilà. Alors, voilà. Donc, j'ai le prix, il est 2,59 $. Il l'a multiplié par 5. Ensuite, on va éditer le titre Pakimeshna tout à l'heure. Bon, après, c'est à vous de voir. Alors, je conseille de ne pas rentrer la description de AliExpress telle qu'elle. Parce qu'en général, qu'est-ce que je peux me dire, c'est vraiment mal écrit. Et c'est pas vendeur du tout. Donc, je vous conseille de rentrer votre propre description. Voilà. Ensuite, Radin Mshioul. Voilà. Alors, quand on survole Radin Benad, les petits boutons, on va faire Post to WooCommerce. Ou là, on peut le programmer aussi. Mais bon, après, on peut le poster tout de suite. Voilà, c'est bon. En principe, c'est en cours. Alors, on peut vérifier. Le produit, Radim Chou, le produit, tous les produits. Voilà, il vient de rentrer. Ensuite, donc pour modifier head de produit, Radim Chou le modifier.
c'est-à-dire pour rentrer la description maintenant, ou là pour changer le prix. Voilà, c'est très simple. On attend que ça charge. Donc là, on rentre la description du produit, on l'écrit ou la copier-coller, ou là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, ensuite, Ado, c'est un module qu'on verra par la suite. On a les images du produit, ça c'est l'image principale, et les images secondaires. Voilà, je pense que c'est bon pour Ado.